Salut les gars, comment vous allez? Moi ça va à peu près, j'ai fort mal à la poitrine, je sais pas ce qui m'arrive. C'est pour ça sera une semaine spéciale vidéo les gars, de toute façon les lives ça marche pas sur YouTube, on est beaucoup trop de streamers. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Fermier de la Somme. Dans cet épisode on va ramasser l'herbe qu'on a fauchée la dernière fois en live. Et on va essayer d'alimenter les serres que j'ai achetées en off. Et on avisera ce qu'on doit faire après, les gars. Allez, bon épisode. Voilà, les gars, on y est. On est parti. Regardez la belle auto-chargeuse Bergmann, là. Avec mon beau MBTrack 1800, là. Franchement, il tue ce tracteur. Bon, allez, sans plus attendre, on y est parti, les gars. Hop. Merde. Désolé, ça faut pas que je fasse. Hop, voilà, on démarre plutôt comme ça. Désolé pour ce petit fail. Alors, le tempomat, on va le mettre à 10, parce que dans les chemins de terre, les gars, il faut surtout pas faire le malin. Parce qu'en préparant la vidéo, je me suis retourné. Je me suis retourné en préparant la vidéo, donc il y a rien à droite, rien à gauche, c'est bon, c'est nickel. Bon allez, c'est parti. Bon, je fais le premier chargement avec vous, les gars. Et après, ouais, je ferai des accélérés. Hein. Je ferai des accélérés, vous inquiétez pas. Par contre, j'ai pas l'ATH, donc ça va être beau pour savoir la sélection de l'outil. Et ça, j'arrive pas à le mettre là-dessus, les gars. Mais ça devrait bien se passer, ça devrait bien se passer. Ouais, comme je vous disais, on va faire les deux champs. On va faire les deux champs, je ferai des accélérés ou une coupure. Ou alors on fait une auto-chargeuse de chaque champ, je sais pas, on verra. Mais je vais vous faire voir comment c'est la galère pour reculer dans le silo quand vous avez du gros matos. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez comme tracteur pour entretenir les serres. Un petit tracteur hein, qui peut faire du maraîchage quoi. Si vous avez des mods sur le mode hub ou même ailleurs, n'hésitez pas à me mettre à me le dire quoi, à me dire la référence et j'irai voir si je peux télécharger. Bon allez, c'est bon, on va se placer. Hop, on est bon là. On est bon, on est bon. On va juste baisser ça. Voilà. Hop. Hop, c'est bon. Et c'est parti. Tempomat à 10 km/h. J'ai le niveau de remplissage ici, les gars. Vous voyez peut-être pas, mais j'ai le niveau de remplissage ici. C'est pour ça que mon gameplay il est épuré. Il n'y a pas. À part mes réseaux sociaux, le bouton s'abonner et ma caméra, il n'y a pas d'ATH, quoi. Et ça peut vous faire kiffer. Désolé pour ceux qui préfèrent les lives. Hein. Surtout, désolé. Mais il faut que j'évolue dans YouTube et c'est pas en faisant des lives avec 10 personnes, les gars. C'est déjà bien, moi je suis très content, mais il faut que j'évolue, quoi. Il n'y a pas d'évolution, donc c'est ça qui m'embête un peu. Et en ce moment, je vous dis, je suis pas très bien avec la santé, j'ai beaucoup de rendez-vous. Maintenant, je vais avoir 6 rendez-vous par mois. Avant, j'avais que le médecin. Maintenant, j'ai 6 rendez-vous par mois. Alors, pour vous dire que mon état de santé s'améliore pas. Donc voilà. Ah, j'avais oublié de mettre le gyro. On va le mettre en sortant du chantier. J'espère que l'angle de caméra, ça vous plaît. L'intro, je l'ai fait avec ma cam Logitech, mais dans la vidéo, je préfère le faire en mode comme ça, c'est mieux. Comme ça, vous voyez un peu tous les boutons que je bidouille, quoi. Ah, ça va être long, ça va être long.
C'est pour ça que je me dis, les gars, je vais faire un champ, enfin une auto-chargeuse avec vous. Et après, on fera des accélérés. Pour pas que la vidéo elle dure non plus 35 minutes, quoi. Et que la série elle avance un peu. Hein. C'est le but. Bon, maintenant on fait plus. Maintenant qu'on a acheté tout ce qu'il nous fallait, les gars, on respecte. Ah, on respecte. On joue vraiment RP avec l'argent et tout. Je ferai des prêts s'il faut quelque chose. De toute façon, il va me falloir un petit tracteur, les gars. Un chariot élévateur. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire quoi prendre. Et voilà quoi. 84%. Ça va. Je vais finir ma ligne et puis ce sera bon, les gars. 89. Ah ouais, c'est bon, ça va le faire. Ah, j'irai même pas au bout, je crois. J'irai même pas au bout. 96. Voilà, 100%. Bon, ça s'est remonté tout seul, hein. Vous inquiétez pas. Cette machine-là, ça se remonte tout seul. Hop, on va mettre le petit gyro parce qu'on va sortir du champ, les gars. C'est important, hein. Important pour la sécurité routière. Même si j'ai même pas mis le trafic routier dans la map parce qu'il est mal fait. Des fois, t'es à des carrefours, il y a 60 voitures qui attendent. Demande ce qui se passe. Donc voilà les gars. Allez, c'est parti pour le retour. Je vais vous faire voir les manœuvres qu'il faut faire pour rentrer dans le silo. Bon, j'ai commandé une benne de compost et puis une benne de fumier, les gars, parce que les vaches, vu qu'on a que 6 vaches pour l'instant, enfin 5 vaches et un taureau pour l'instant, il n'y a pas encore assez de fumier pour alimenter toutes les serres, quoi. Donc j'ai commandé entre guillemets aux paysans du coin et on ira chercher ça tout à l'heure. J'ai déjà mis le tracteur là-bas. Tout est prêt, les gars. Donc c'est nickel, quoi. On va pas faire les dingues. Même s'il n'y a pas de trafic, on respecte. Mais quand vous avez un setup comme le mien, les gars, vous pouvez plus jamais jouer à l'arrache, en gros. Vous pouvez plus jamais jouer à l'arrache. C'est tellement ressemblant à la réalité que vous pouvez pas jouer à l'arrache. Ah, ça fait déjà 7 minutes de vidéo. Oui, je vous le dis, les gars, ça va. Hop. On va pas se faire avoir. Hop. Mais bon. Vous voyez, cette map, c'est des petits chemins de terre comme ça. Et franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Regardez, en fait, ouais, le silo, il est là. Je pourrais. Ah, si, je pourrais, en fait. Ouais, mais on va faire autrement. On va faire autrement, les gars. On va se coller là. On va se coller là, ouais, voilà. Hop. Voilà, j'ai mis le régulateur. Reculer à 4 km/h. Ouais, ce tracteur-là, les gars, il est très bien, mais quand il passe les vitesses, c'est la merde. C'est pas moi qui donne des à-coups, c'est juste qu'il passe les vitesses, en fait. Ici, ça passe, ouais, large. Là, je suis obligé d'appuyer à fond sur ma pédale, les gars, vous savez même pas. On va le mettre à 5 comme ça, il va peut-être passer la vitesse. On met dans le premier, ouais, dans le premier. Hop. Bon, ici on peut rouler, c'est de l'herbe. On va pas chipoter non plus. Par contre, faire gaffe à pas taper le pneu dans l'arbre, c'est bon.
Par contre, là, il va falloir bien. Bien se mettre sur le côté parce qu'on va vider dans le fond. On va vider dans le fond, les gosses. Eh, c'est beau, c'est pas beau ça. On va essayer de pas taper dans le fond non plus. Hop, je mets le régule à 1 km/h comme ça. Ouais. Une fois que je suis dans le fond, c'est bien. Voilà, m'avance un peu. Hop, et on décharge ça. Hop, on va rouler à 1 km/h juste pas pour faire un tome et juste. Ah si, faire un tome, mais je veux dire. Voilà. Hop, tempomat à 10. On va descendre, on va aller voir ce que ça donne, les gars. Ah ouais, ça fait un bon toc quand même. Ça fait un bon toc quand même. Ouais, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, moi, je fais. Ah. Et je fais un accéléré, les gars, et on se retrouve une fois qu'on a fini. Parce que déjà, là, ça fait déjà 10 minutes de vidéo. Allez, c'est parti. À tout à l'heure, les gars. Bon, pas bien ces gens-là. Thank you.
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f*** likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh*t right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison. Bon, voilà les gars, dernière ligne du champ. Ma benne, elle sera pas pleine, donc on va directement se diriger vers l'autre champ, les gars. Ça fait déjà... Là, je sais pas combien la vidéo va durer de temps, en temps, les gars, mais... Ça fait déjà un bon moment, hein. Là, j'ai fait trois remorques. Trois auto-chargeuses, donc wow, on aura de quoi nourrir nos animaux, les gars. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon. Donc on va se filer sur l'autre champ vite fait, là. Je vous fais le retour. Hop, on va s'arrêter. On va lever ça. On va désactiver la ramasseuse, et hop, on met le gyro et on se casse, les gars. On se casse. Là, je fais pas d'accélérer, là, pour l'instant. Pour que vous voyez un peu, découvrez un peu la map. Est-ce qu'on... Ah ouais, dilemme. Est-ce qu'on... Je sais pas quel chemin est le plus court, les gars. Est-ce qu'on prend les petits chemins? Ou est-ce qu'on prend la route? Vous savez quoi, on va prendre le petit chemin, comme ça vous allez découvrir en même temps. Hop. Le régulateur, il a 10. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, si le contenu, ça vous plaît. Comme ça, moi, je fais une vidéo farming tous les deux jours, les gars. Et vous inquiétez pas, on fera un live ou deux par semaine. Mais c'est juste les lives, ça sert à rien de live tous les jours, on se fait pas... Le YouTube, il a un algorithme très spécial, les gars. Et... En fait, par exemple, j'ai fait un live de 2 heures pour que vous puissiez regarder la rediff, pas que ça fasse un live de 6 heures, quoi. Et en fait, celui qui vient, il suffit qu'il y a un guignol qui vient, il regarde une seconde de ma vidéo, ben en fait, ça me casse complètement mon algorithme. Donc, c'est pour ça, les gars, je préfère faire des vidéos. Et en plus, je le fais quand je suis en forme, parce que des fois, en live, je suis pas en forme, je le montre pas forcément, mais je suis vraiment pas bien, quoi. Au moins, là, je suis en forme. Enfin, à part ma poitrine aujourd'hui. Mais ça va guérir. Enfin, j'espère.
Du coup, regardez, je vais vous mettre en mode. Elle est magnifique cette map. Elle est magnifique. Par contre, pour conduire, les gars, pour conduire, je suis désolé, je suis obligé de mettre la vue intérieure. C'est beaucoup mieux. Ah, c'est pas que c'est beaucoup mieux, attendez, je vais mettre. Ouais, je peux rouler à 12. Je peux rouler à 12. Ça saute pas trop. Ça saute pas tant que ça ici. Hop. Elle est bien faite la map, mais il faut une petite mise à jour, je trouve. Il y a des détails pas très bien faits, comme vous voyez les genres les ponts. Vous roulez sur une route, il y a le pont et en fait ça fait direct un. Ça monte direct en fait, c'est pas lisse. Regardez là, les torts, là. Franchement, c'est pas magnifique tout ça. Mais je pense, ouais, en roulant à 10 km/h de ce côté-là, j'aurais dû prendre la route. Mais bon, ça vous fait découvrir la map, les gars. Ça vous fait découvrir la map. Ouais, du coup, je fais une auto-chargeuse. On va. Bah, on va prendre la route pour le prochain. De toute façon, on est obligé de prendre la route pour le prochain. Pour le retour, quoi. Et je vous fais une coupure dès que j'ai fini d'encider. Vous voyez ça, là, par exemple. C'est pas bien de mettre un arbre là. Parce que ça passe en travers, en colline. Faut penser à ceux qui jouent en vue intérieure, les gars. Je crois que c'est Cocorico Modding, le modder, le mappeur de cette map. Cocorico, j'ai dû... Il y a un pont là-bas, j'ai dû complètement supprimer l'arbre avec... l'arbre est parti, le mode l'arbre est parti, parce que... En fait, tu montais sur le pont, et t'avais l'arbre en plein dans la gueule, quoi. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le supprimer. Donc ça, d'ailleurs, dans mon matos, j'ai ce... Cet outil-là. Voilà, les gars, c'est pareil ici. Pareil ici, regarde, il y a des trucs qu'on peut mettre... Ouais, je pense que ça va être très très bien, la map, quand... Prochaine mise à jour. Mais j'espère qu'on va pas devoir... refaire une partie dessus, quoi. Et ça risque d'être... ça risque d'arriver, c'est de... Mise à jour, enfin, grosse mise à jour, égale... Recommencer une partie. Après, c'est pas si grave que ça. Si on a 100, si on a par exemple 150 000 de maïs, et ben les gars, on va pas chipoter, on va mettre 100 000 et puis voilà, on trichera. On fera du F10. On fera du F10. Hop. Ici, on ralentit parce que chemin de terre oblige, les gars. Et en plus, ouais, le tournant là, il est. Ici aussi, il y a une bosse Cocorico, si jamais. Ici aussi, il y a une très grosse bosse, il faudrait l'adoucir un peu. Après, on peut. C'est des trucs qu'on peut. Je pense qu'on peut faire. Ah, nous-mêmes. C'est pas très gênant, mais. J'aime bien avoir une map parfaite. Et elle est quasi parfaite, cette map, mais. C'est ici, ouais. Non, attends, non, c'est peut-être pas là. Ouais, si, ça doit être... Non, ça va, si, c'est ici, je crois. Mais comme je suis passé vraiment doucement... Pourquoi je mets le clignotant dans un chemin de terre? Je mets le clignotant dans un chemin de terre. Regarde ça, pareil, tu vois, il y a de l'air bleu. C'est pas très grave, mais... Moi, ça me dérange. Mais sinon, la map, ouais, elle est quasi parfaite, franchement. Rien à dire, du bon boulot. Je connaissais pas cette map, j'avais jamais joué. Il paraît que c'est un remake de la Belgique profonde, mais j'avais jamais joué. Allez, c'est parti, les gars, on baisse le pick-up. On met le régule. De toute façon, on va pas faire. On va pas faire beaucoup de chemin parce que. C'est déjà à 66%. Mais bon, j'allais pas. Pour faire des tas uniformes de l'autre côté, bah, j'allais pas mettre 66% d'un côté et. Et 100% de note. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, c'est le champ là. Ça va, lui, c'est des longues lignes droites, les gars. Mais on aura à manger pour nos vaches. On aura à manger pour nos vaches, c'est le principal. C'est le principal. Si vous voyez des différences des baisses de micro, c'est normal. C'est parce que je regarde un coup par là et je regarde la télé en même temps.
Donc c'est tout à fait normal, les gars. J'espère que le son, il sera bien, parce que là, je ré encore une fois. Je me dis, je ré encore une fois, donc... De toute façon, les gars, sans manquer de respect avec toute la merde qu'il y a sur YouTube, même si je me loupe, vous m'en voudrez pas, parce que ça reste toujours aussi qualitatif que d'habitude. C'est juste que je me suis loupé. Si le son un jour il est un peu trop fort, voilà quoi, ou un peu bas, et ben, me le faites part en commentaire, et voilà les gars. Ici, c'est le... Ouais, c'est le BGE, ici. Ah non, c'est une coopérative. Hop. Bon, on va mettre le régule. Ouais, c'est ici la grosse bosse, en fait. Ouais, c'est ici, tu vois. Ah non, même pas, je sais pas. Non, c'est même pas là. Je sais que dans un petit chemin de terre, il y a une très très grosse bosse. Ah oui, je vois c'est où. Je vois c'est où. Quand on y passera, je le signalerai. Si jamais un jour tu regardes cette vidéo, Cocorico. Bah, j'espère que quelqu'un... quelqu'un qui te connaît, parce que moi je connais personne dans Farming, je vais pas vous mentir. À part Suisse, je connais pas beaucoup de monde. Et si quelqu'un peut, quelqu'un te connaît et peut te la partager, ça serait cool. Ça serait cool, les gars. Je remonte les petits bugs, au moins. Ça fait une map parfaite. Regardez ici, là. Ça fait plaque. Vous voyez, c'est trop... C'est pas assez lisse, ici, par exemple. Après, les petits trottoirs, là, on s'en fout. Franchement, ça, c'est du détail. C'est du détail. Regarde, celui-là, il est ça, voyez, il est encore assez lisse, mais il n'y en a pas lisse. Pas lisse du tout, même. Oh, fais gaffe, les gars, parce que... Oh, désolé pour le saut de la souris. Ça, c'est pareil, ça, c'est... Parce qu'en fait, il y a des boutons, ici, et des fois, comme c'est une souris laser, ça fait des sauts. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Là, faut pas que je me trompe. C'est rare que je viens, bah c'est la première fois. De toute façon, ouais. C'est ici. Bon, on va prendre large, parce qu'on a quand même du gros matos derrière. Hop. Là, vivement que je retrouve mon tracker, les gars. En fait, vous allez rigoler. Bah, j'ai une anecdote, du coup. J'ai une anecdote pour vous. Vous voyez, je vous ai dit, j'avais acheté un truc une quinzaine d'euros... Et je me dis, si c'est un bon plan, je vous ferai partager, c'est pour améliorer mon setup. En fait, je vais pas vous dire c'est quoi, parce que j'ai toujours ce projet en tête. Mais ça, c'est pour... c'est pas pour aujourd'hui, les gars, je vous le dis tout de suite. Parce qu'en fait, sur AliExpress, quand vous cliquez sur un article... On va faire ça en vue extérieure, les gars. Quand vous cliquez sur un article, et ben, ça vous met plusieurs photos. Et en fait, chaque photo a un prix différent. Par exemple, je dis une connerie. Vous voyez un volant, par exemple. Vous voyez un volant, et ben, sur la photo, le volant, il coûte, par exemple, 100 balles. Vous voyez sur l'autre photo, il y a la boule. Ben, par exemple, la boule, elle va coûter 10 balles. Et en fait, moi, je me suis fait avoir comme ça, en fait. Je me suis fait avoir comme ça. Oh, j'ai fait quoi? Oh, on va pas me dire que je me suis bloqué, là. Ah non, ça va. Ouais, c'est en racontant mes anecdotes, je fais de la merde. Et du coup, les gars... Oh putain, mais ouais, c'est vrai, je fais vraiment de la merde. Du coup, les gars, j'ai acheté un truc, mais un truc sur 5, quoi. En fait, le truc complet, ben, ça coûte presque 200 euros. Donc, ben, c'est toujours dans mes projets aussi, mais ça attendra un peu, ça attendra un peu. Pour ça, les gars, n'hésitez pas à partager si vous voulez le voir, le projet naître un jour. C'est pareil, j'ai un projet réalité virtuelle aussi. Et je pense que je vais faire que de la simulation. La simulation de sport, sport de course, enfin, sport d'automobile,
sport. Sport, quoi. Comme FIFA, PES, tout ça. Simulation de guerre aussi. Avec Battlefield. Et voilà, les gars. Bon, moi, je vous reprends dès que c'est fini. Je vous reprends dès que c'est fini et on ira charger du fumier vite fait. Allez, à tout à l'heure, les gars. Bon, voilà, les gars. Fini. Enfin fini. Une heure plus tard. Ouais, une bonne heure, ouais. Ouais, une bonne heure, ouais. C'est clair. Hop, on va mettre le temple mat. À 10. Ici, c'est normal, les gars, parce que... Waouh, c'est galère, hein. Est-ce qu'il consomme... Oui, il y a déjà plus de 60... Ah non. Oui, il y a déjà plus de 60% d'essence, hein. Ouais, ça... Ouais, on l'utilise beaucoup en même temps. On l'utilise beaucoup en même temps. Donc c'est normal qu'il bouffe de l'essence, quoi. Bon, j'ai dû faire un aller-retour pour 39%. Ça va, je croyais qu'il y avait moins que ça. 39%, ça se prend. Il y a un silo de plein, les gars. Du coup, je pense qu'on va pas... On va pas alimenter les cerfs dans cet épisode-là. Hein. On va juste tasser. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Et dites-moi en commentaire si vous voulez voir. Parce que là, c'était une longue activité, je sais. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau chemin plus rapide. J'ai trouvé un nouveau chemin plus rapide. Je vais vous faire voir, du coup. Hop. Tout à l'heure, je tournais là. Maintenant, je vais là. En fait, on arrive de l'autre côté de la ferme. Et il y a eu un bug, je sais pas pourquoi, il y a eu un bug, en fait. Ah non, c'est pas qu'il y a eu un bug, c'est qu'en fait, j'ai tellement mal la poitrine que j'ai été chercher un Doliprane, et en fait, j'ai oublié de vider ma benne quand je suis revenu. Et du coup, bah, comme un teubé, j'ai oublié de vider la benne, du coup, bah, j'ai fait un aller-retour pour rien, du coup, comme j'avais sauvegardé avant, heureusement... Ben, j'ai relancé la partie, mais quand j'ai relancé la partie, j'ai... En fait, les andins, ils étaient transparents en dessous. Ils étaient transparents en dessous, donc... Du coup, j'ai essayé de me TP plus loin, mais non, c'était pareil. Donc, tant pis, j'ai fait comme ça, quoi. J'étais pas en règle, donc ça va. Ouais, du coup, là, c'est le chemin de la ferme. Là, il y a le petit étang, là, vous allez voir, là, juste sur la droite, là, c'est où est-ce qu'on prend l'eau. Ici, là, il y a une petite descente. Et puis voilà, les gars. Ouais, du coup, un silo rempli. Mais par contre, pour tasser ça, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais... Je sais, j'ai une idée, les gars. J'ai une idée. Je vais retourner le cockpit. Je vais retourner le cockpit du tracteur et je vais y aller en marche arrière. Enfin, en marche avant, parce que quand tu retournes le cockpit, ça te fait du marche avant quand même, même si tu recules, quoi. On va en profiter, hein. Il n'y a pas besoin de mettre deux lames. On verra plus tard pour une lame. Juste, j'espère qu'il va monter parce que j'ai des modes réalistiques, les gars. Et regardez, ça fait déjà un bon temps, là. Ça fait déjà un bon tour. Là, j'en mets pas plus sur le premier silo, vu que ça va l'aplatir. Après, j'ai peur que ça déborde, en fait. Hop. Voilà, les gars. Hop, on a juste à... reculer. On va reculer, ouais. Wow, on va foutre là. Attendez, hop, on va voir juste un petit peu, parce que je me suis mal pris. Le but c'est de pas rouler sur... Ouais, voilà, c'est bien. C'est bien. Hop, comme ça fait un fond de maïs. Ça fait un fond de maïs, les gars. Hop, on va mettre le régule.
à 4 km/h ou 3. On va peut-être reculer encore un petit peu. Ouais, voilà. Hop, on met le régule et on vide. Comme ça, on n'a pas galère, on n'a pas de galère pour tasser. Bah voilà, c'est déjà vide. Faut que je pense l'auto-chargeuse, on va la dételer là-dedans, les gars. On va la dételer là-dedans. Hop. Impeccable. Et là, on va essayer de tasser. On va essayer de tasser ça. Je vais juste faire un truc, les gosses, et... Hop, touche magique. Et voilà. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Ah, par contre, pour monter, ça va être une galère, je pense. Le tempomat, il est à 3. On va tester de monter à 3, les gars. Après, il y a du bloc de béton. Ouais, ça monte, c'est nickel. Le tempomat, il est à 3. J'ai l'impression de rouler à plus de 3. Vous en pensez quoi? J'ai l'impression de rouler à plus de 3 km/h. Ah, il est à 3 en marche arrière en fait. Ah, ok. Il est à 3 en marche arrière. Bon, ça va être long de tasser tout ça. Je pense que je vais faire 2-3 tassements et puis on se laissera là-dessus, les gars. Hop. Ah, c'est une galère. Ça a toujours été une galère, les farming, pour tasser les silos. Franchement, la physique de ce jeu, elle est pas terrible. Elle est pas terrible. Bon, vous savez quoi? Je vais tasser. Je vais tasser en off, les gars. Et voilà. Bon, voilà, les gars. J'espère que au montage, ça sera pas une vidéo de 25 minutes. J'en suis désolé. Ah, c'est long. Franchement, c'est très long. Et moi, j'ai mis au moins 2 heures. 2 heures et demie pour faire ça, même. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, les gars, les nouveaux. Et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo farming. Allez, à plus. Bisous.